au moins 4 mois. Le cartel semble préparer quelque chose au cimetière de train. Allez sur place pour en avoir le cœur net. La moto est pour moi. J'ai demandé aux rebelles de nous envoyer un véhicule. Un instant, il y a des signes d'activité du cartel droit devant. On dirait que Bowman avait raison. On fait quoi, chef? On va trouver le polyhéro du coin, voir ce qu'il peut nous apprendre. Je déploie le drone. Là, cible numéro 5. J'aperçois un lieutenant de la Santa Blanca. Ça m'a tout l'air d'être le type qu'on recherche. Je le vois. Petit rappel, il nous le faut vivant. Merde. Si c'est un groupe de touristes, je veux bien bouffer mes grolles. Tu penses que ça a un rapport avec Reed? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Et les prisonniers? On les libère si on peut, mais c'est facultatif. Ça marche? Ça marche. Ils nous ont vus. Maria Purissima! Tu calmes, d'accord? Calme-toi, pues. On peut discuter, non? On doit pouvoir trouver un accord, vous et moi. Un accord? Je te propose ça. File-moi Reed et je te fais pas sauter la cervelle. Aguanta, aguanta! Je sais pas où il est, Reed. Il passe toujours par des intermédiaires. Et tous ces gens-là, d'où est-ce qu'ils viennent? Il y a 5 ou 6 villages qui sont son terrain de chasse. Là-bas, quand quelqu'un disparaît, personne ne pose de questions. Assez de simple. Et le cartel, il a droit à une part? Non. Ça, c'est notre petit secret. Si Sueño l'apprenait, on finirait tous chez El Pozolero. Je veux une liste des villages où vous vous approvisionnez, maintenant. Tranquille. C'est bon. Tout ce que vous voulez. Mais c'est pas moi qui vous les donne. Está claro? Merde, candidat. On a identifié un contrôleur aérien qui bosse pour le cartel. Chopez-le et découvrez ce qu'il sait sur les agissements de Reed. Nada que reportar por el momento. Continuamos con la búsqueda de nuestros amigos. Roman, t'avais raison concernant Reed. De but gère un trafic d'êtres humains au nez et à la barbe de Sueño. Formidable. C'est peut-être le moyen de pression qu'il nous faut pour faire sortir Reed. Continue sur cette piste, Nomad. On va voir où elle nous mène. Et pour le réseau de trafic de coke? On ne va pas se priver de suivre cette piste-là aussi. Reed est au centre des deux.
Avec un peu de chance, on pourra faire d'une pierre deux coups. Bien su. Nomade, terminé. Coopérer, Todos Altarabien. J'ai identifié le contrôleur. On y va. Por favor, ¿qué quieres? ¿Es de Santa Blanca? ¿Unidad? Qu'est-ce que vous voulez? On sait que tu travailles avec Boston Reed. Cherche pas à dire le contraire, ça t'apportera que des emmerdes. Ta bien, c'est comme vous voulez. Je veux connaître ses allées et venues. Où est-ce qu'il va le plus souvent? En Media Luna Pues, à l'est d'ici, plein est. Il atterrit en pleine brousse pour faire ses livraisons. Quand Reed veut voir un acheteur, il me demande d'envoyer un code par Internet et l'acheteur le retrouve à la piste de Media Luna. C'est là qu'ils font la livraison de la marchandise. Donne-moi ce code et montre-moi l'ordinateur dont tu te sers pour l'envoyer. Está bien. C'est juste là. Code envoyé. Maintenant à nous de rejoindre la piste d'atterrissage. On va se taper des gunfights jusqu'à Media Luna, chef? J'avais une autre idée. Parmi les vieux zingles là-dehors, doit bien y en avoir un avec le plein. Pas bête. Comme ça, on se fera pas canarder par les hommes de Reed et l'acheteur se doutera de rien. Quelqu'un se souvient de sa formation de pilote? Demander une reco de la zone rebelle. Élimination confirmée.
Le drone a décollé. J'ai l'acheteur en visuel. Contrôlez bien vos cibles. Il nous faut ce fumier vivant. Cible éliminée. Merde, l'acheteur fout le camp, suivez-le. Leur lieutenant essaie de s'échapper. T'amuse pas avec les détenus. Montre-moi tes mains, du con. Il sait qu'on est là. Faites attention. Silencio. Marchez. Un connard de moi. Alors, por favor. Por favor, no me lastime. Je suis juste un homme d'affaires. Boston Reed, il est où? Je sais pas où il est, ok? Tout se fait par des intermédiaires. Je passe commande et il livre, c'est tout. Une commande de quoi? De personne. D'hommes, de femmes. Vous voyez? Il arrive quoi aux gens que t'achètes? Ça dépend, la plupart des filles deviennent des esclaves sexuels. Les hommes travaillent. Certains sont découpés pour leurs organes. Vous savez combien ça vaut un rein en bon état? Putain, parce que tu payes en cash. En général, oui. Des valises entières. En général. La dernière fois, j'avais pas le compte. C'était une commande urgente et j'avais pas assez de liquide sur moi. Il a fallu que je transfère le reste sur l'un des comptes bancaires de Reed. Ça lui a vraiment pas plu. Mais il avait pas le choix. Tu vas me donner le nom de la banque et le numéro de compte. Ouais, d'accord. Je vous écris tout ça et on en reste là. Chacun part de son côté, d'accord? On commence à reconstituer le puzzle. Je vais envoyer les coordonnées bancaires à Bowman. Entre ça et la liste des villages ciblés par les hommes de Reed, elle devrait pouvoir trouver du concret. Les frères Guerrero et forcez-les à vous révéler tout ce qu'ils savent sur Boston Reed. De Ferrar. J'ai Carlos en visu. Ce mec là? Attends, c'est pas possible. Ma fille de 12 ans pourrait lui foutre une branlée. Autant éviter de lui faire peur. On se met en retrait et on le laisse nous mener tout droit à son frangin.
demander à Pac Katari de nous envoyer un véhicule. Il y a une deuxième cible. Venez. J'envoie un troisième. J'en vois un autre. Ça va, ah, pitié, bon. Je me rends. C'est quoi ça? Vous êtes qui, putain? Où est Reed? Dis ça. Je vois pas de qui vous parlez. Joue pas au con, Hernando. Soit tu me dis où je peux trouver Reed, soit je balance tout ton trafic d'êtres humains à notre ami Soigno. Je sais pas où est Reed. Ce type se pointe quand il a une livraison à faire, ou bien quand il y a vraiment une urgence. On est d'accord, c'est une urgence, pas vrai? Il y a un code spécial. Je dois le taper sur un portable à côté de la piste. Quand Reed reçoit le signal, il atterrit, c'est tout. Donne-moi le code et dis-moi où se trouve l'aérodrome. L'emplacement et le code nécessaire pour faire sortir Reed de sa tanière. On va lui tendre un piège et l'éliminer. Actif. Je repère un petit groupe d'ennemis. Cible repérée. J'aperçois un petit groupe de cibles. Ça en fait 5. J'ai une cible. Je repère un petit groupe d'ennemis. 10e cible. Thank you.
Ok, ça va, on est tranquille. Voilà le portable qui permet d'envoyer les codes à Reed. Je rentre les codes. Reed devrait pas tarder à recevoir le signal. Il sera bientôt là. Tout le monde en place pour l'embuscade. Cible en approche, préparez-vous. L'escorteur a été détruit. Hélico détruit. Cible abattue. On avertit Bowman. Bowman, on a retiré Boston Reed de l'échiquier. Parfait. Le trafic d'êtres humains aurait dû nous sauter au nez. Depuis le temps que la région en souffre, quelqu'un de la Santa Blanca devait forcément tremper là-dedans. On a arrêté Boston Reed et libéré une poignée d'innocents. C'est une bonne journée. Meilleur que d'autres, en tout cas. Bowman, terminé. C'est bon, on est tranquille.
Nous avons localisé un dépôt qui coordonne toutes les opérations de trafic routier à Kohani. Vous allez vous y infiltrer pour m'obtenir une copie des plannings et des itinéraires. Vigile laisse passer les véhicules du cartel sans les inspecter. C'est peut-être notre ticket d'entrée. On peut revenir à la route, détourner une voiture ou un camion et l'utiliser pour accéder au terminal. J'ai repéré des camions du cartel devant le terminal. À nous de jouer. Ça ressemble à des plannings de transit et des itinéraires de trafic dans la province. C'est pile ce qu'on cherche. On a les photos qui vont bien. Allez, on s'arrache. Transmets les infos à Bowman, ça devrait répondre aux questions en suspens sur le réseau de distribution de Kohani.
été prévenus qu'une importante cargaison de cocaïne allait être transportée par convoi jusqu'au Brésil. Empêcher les camions d'atteindre la frontière. Charge posée et amorcée. J'ai amorcé le C4. La charge est amorcée.
Oh.